Benjamin et Maureen, qui ont bien failli ne pas se marier à cause de leur famille et du stress de Maureen, ont tout de même passé un agréable séjour de noces au Maroc dont Benjamin a partagé quelques coulisses. Partir en voyage de noces tout frais payé, si est-il le luxe dont rêve probablement un grand nombre de jeunes mariés. Mais accepteraient-ils pour autant pour cela de se voir imposer leurs époux? Si est-il la folle aventure que vivent les candidats de mariés au premier regard, émission de dating diffusée chaque année sur M6. Ce lundi, les téléspectateurs de cette populaire télé-réalité découvraient un nouvel épisode de leur programme dans lequel des prétendants, choisis pour leur compatibilité scientifique, se disent oui sans même se voir ou parler avant le jour J. La semaine précédente, parmi les candidats dont les fans ont pu suivre les aventures, il y avait Maureen et Benjamin. Le couple avait fait figure d'exception dans l'histoire du programme lorsque leur famille avait pu se rencontrer avant la cérémonie. En cause, des parents très réfractaires, d'un côté comme de l'autre, à cette union de leur chérubin avec un parfait inconnu. Beaucoup de stress pour Maureen pour autant, le mariage de l'infirmier au bloc opératoire et de la professeure d'espagnol avait fini par avoir lieu, malgré une angoisse intense de la jeune femme. Et Maureen l'a avoué, il faut dire que si est-il en partie parce que la jeune femme qui place sa famille au-dessus de tout, s'est sentie obligée, ayant un but bien précis dans sa vie qui est de ne pas décevoir les autres. Fusionnelle avec son frère qui lui a donné son aval juste devant l'hôtel, elle aurait pu, alors, se détendre. Pour autant, une fois les alliances échangées, Maureen a eu beaucoup de mal à se remettre de ses émotions et était même tétanisée. Les premiers moments de découverte avec son mari ont donc été pour le moins tendus mais les jeunes mariés ont tout de même réussi à briser la glace pour poursuivre l'aventure comme prévu. Un voyage de noces au soleil dans le générique de fin de l'épisode de ce lundi 29 mai, les téléspectateurs ont donc pu découvrir qu'après leur mariage et rencontre, Maureen et Benjamin allaient pouvoir faire plus ample connaissance à l'occasion d'un départ au Maroc pour leur voyage de noces. Pour faire patienter ceux qui se sont d'ores et déjà attachés à leur couple, Benjamin a décidé de partager quelques images exclusives de ce séjour sur son compte Instagram ce 30 mai. Dans une vidéo rassemblant plusieurs séquences et photos, on découvre les jeunes époux profiter d'un copieux petit déjeuner en terrasse, se livrer à une séance photo dans une piscine somptueuse ou encore apprendre à verser du thé à la marocaine. Pour en découvrir plus, rendez-vous la semaine prochaine sur M6. La vidéo de Benjamin. Love.